Ok, salut les copains, c'est parti pour un live. Alors on est vendredi, il est à peu près 15h30, 16h, il y en a beaucoup d'entre vous qui, vous êtes à l'école, hein, c'est normal, au bahut, au lycée ou au collège. Mais c'est pas grave, vous verrez le replay, quoi qu'il arrive aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'Unicube. Hello, hello, mais, tu vas bien? Franchement, mais quand je te vois, je vais bien. Bah c'est gentil, thanks, same. Non mais quand je te vois, ça me met le sourire. Bah merci beaucoup. Non mais c'est vrai, la belle énergie. Alors, on a un quart d'heure avec l'Unicube, pas plus, parce qu'après il doit enchaîner, parce qu'il a sorti un nouveau titre, là, juste une tuerie. Il va nous chanter un petit morceau d'ailleurs. Oui, yes. S'il te plaît, à café là. Là, maintenant, okay, super. Là. Vas-y, c'est parti. Yeah, I'm still waiting for you, I'm still waiting for you, I'm still waiting for you, you and me, there's no one other. Now we'll see the world in different colors, you're in the city and I'm in the suburbs. Yeah, I'm still waiting for you. Ah, mais c'est trop beau la voix! Et c'est sorti il y a combien de temps? Merci. Là, il y a pas longtemps. Là, c'est sorti il y a une semaine. Là, une peut-être. Semaine. Yes. Ça marche bien? Ça marche super bien, je suis content. Franchement, l'accueil des gens est super avec le nouveau single. Ça faisait longtemps que j'avais envie de sortir quelque chose de nouveau. Puis là, je suis content que les fans peuvent enfin avoir du nouveau matériel. Alors, c'est salut, t'es beau, t'es trop beau, je t'adore, j'adore ce son, il chante trop bien, je t'aime. Lenny Kim, je prends tout au hasard, hein, beau gosse. T'as quel âge, Lenny? Je prends les questions aussi, un quart d'heure. Balancez vos questions, c'est le moment. Moi, j'ai 17 ans. Yes. 17 ans, sans commentaire, t'es trop bien. Quelle a été ta date préférée de concert? Liège, Bruxelles, Dijon? Oh mon Dieu, je ne peux pas en choisir entre une parce que franchement, chaque public est incroyable. Mais je dois avouer que le dernier concert qu'on a fait à Liège, c'était vraiment une des plus belles soirées que j'ai vécues. C'était cool. C'était vraiment cool. Le public était chaud. Déjà, le public en Belgique, ils ont une très bonne réputation. Ça, on ne va pas se le mentir et on ne va pas se cacher. Et puis, en plus, la salle, elle était magnifique. Le Forum de Liège, 1600 places, sold out. J'ai kiffé. Et le public était hyper chaud. L'énergie était bonne. Du coup, ouais, on a vraiment kiffé. OK, donc la folie, la vraie folie, quoi. Mais toutes les autres dates, c'était bien aussi, quoi. Ah, c'était très bien aussi, les autres dates. Oui, oui, oui. Je précise juste que le 19 mai, alors là, tu vas finir ta tournée. Ouais. Tu repasses par Paris. Oui, on repasse par Paris le 16 décembre au Casino de Paris. J'ai beaucoup trop hâte. Grosse, c'est déjà plein, en fait. Le Casino de Paris, oui, il est complet. On peut dire, il reste encore quelques petites places, mais franchement, il est pas mal complet. Ouais, donc faut y aller quand même, OK? Les amis, il reste quelques places, vous vous dépêchez, parce que Casino de Paris, c'est quoi? C'est quelques places, ouais, quelques vraiment. Maintenant, là, on fait guichet fermé maintenant. Maintenant, c'est fini, en fait. Maintenant, vous y allez, vous prenez vos places et on y va, quoi. Pourquoi tu n'es pas en cours? Pourquoi tu n'es pas en cours, là? Parce que moi, j'ai terminé le secondaire. En fait, c'est pas du tout le même système scolaire. Moi, là, j'ai mon diplôme qui est l'équivalent du bac. Et puis voilà, du coup, là, je vais continuer dans la musique et tout. Mais j'ai mon diplôme au cas où plus tard j'ai envie peut-être d'essayer d'autres trucs ou que ça ne fonctionne pas, mais je l'ai. Quel est ton pire cauchemar? Mon pire cauchemar, ma phobie, moi, c'est vraiment tout ce qui est les opérations. Quand tu dois aller à l'hôpital, parce que par exemple, tu as une jambe de cassée, ils doivent t'ouvrir et tout. T'es hypochondriaque. Non, je ne suis pas hypochondriaque. C'est pas que j'aime pas être malade. Après, tout le monde n'aime pas être malade non plus. Moi, j'adore être malade. T'es malade. Mais moi, je kiffe. Et là, tu vois, j'étais en vacances, j'ai mangé des boulettes de viande, j'étais malade, j'ai vomi toute la nuit, j'ai kiffé. Tout le monde a ses petits péchés mignons. Hein. Mais non, ouais, moi, c'est vraiment de me faire opérer, de savoir qu'on va m'ouvrir, qu'on va aller fouiller, qu'on va enlever des trucs qu'on va remplacer, qu'on va recouvrir. Non. Mais t'as déjà cassé une jambe, cassé un bras, cassé quelque chose? Non. Knock on wood. D'accord. Hey, juste au passage, je passe une info. Vous avez vu le décor de Noël qu'on s'est... Il est ouf, le décor de Noël. En fait, on a préparé, parce que Lenny sera dans le Gulive sur Gulli pour le 24 décembre. Il y a une émission spéciale, mais juste de folie. Yes. Il nous a fait des surprises. Il chante super bien. Et moi, il m'a transformé. Yes. Je ne vous dis pas quoi, mais c'est l'enfer. soyez au rendez-vous le 24 décembre avec Lenny. C'est toute la journée sur Gulli. Ça, c'est dit. Je suis venu à ton concert. Je ne sais même pas comment tu fais pour tenir le rythme. C'est si dur que ça, en fait? Ben, premièrement, merci. Deuxièmement, après, c'est sûr que c'est quand même difficile physiquement. Niveau cardio, moi, je suis brûlé à la fin du show. Oui, il y a énormément de danse. Il y a genre 11 chorés sur 14 chansons. Du coup, il y a sur 11 chansons, sur 14 chansons, il y en a 11 de danser. Ouais. Peut-être, et on est tout le temps en train de danser, tout le temps en train de chanter en même temps. Du coup, c'est vraiment, vraiment cardio. Moi, je me suis vraiment préparé aussi avant de commencer la tournée, niveau cardio, musculairement, vocalement aussi. Ouais, parce que c'est chaud. Beaucoup de travail. Bah, c'est 2 heures presque, 1h45 non-stop.
Mais je m'éclate quand même. C'est vraiment un bon moment. C'est et cool. T'es pas fumé, quoi? Parce que t'enchaînes les dates. Hein. Oui, je suis fumé. Et l'enchaîne, hein. Bam, bim. Oui, je suis quand même fatigué un peu, mais après, tu vois, la passion, elle prend dessus. Puis, je vais pas mentir, je veux dire, c'est pas facile non mais plus. Mais grave. Mais après, c'est, après, oui, forcément, je suis un peu fatigué, mais tu vois, la passion, elle est tellement là que... Ton plus beau souvenir? Mon plus beau c'est souvenir. C'est Candice Tais-toi, hein, au passage, mais il y en a vu d'autres. Candice Tais-toi. Hein? Pourquoi tu dis Candice Tais-toi? Mais non, Candice Tais-bien. C'est Candice Tais-toi, le pseudo qui demande ça. Ah, ok, ok. Mon plus beau souvenir, il y en a plein en ce moment. En ce moment, mes plus beaux souvenirs, c'est la tournée. La chanson que tu préfères chanter sur scène, Olivia S. Still Waiting for You, mon nouveau single. Mon nouveau single, Still Waiting for You. Et sinon, j'aime beaucoup faire State of Mind ou Mylene encore. Mylene, celle-là, là. Tadam. C'est laquelle, ça? Tadam. Ça, c'est Still Waiting for You. C'est pas Mylene? Non, ça c'est Still Waiting for You. Ok les gars, je suis au point. Yes. Je suis au point, j'y connais tout, je suis au point. Tu habites où? Moi j'habite à Montréal, au Canada. Ta pire bêtise? Ma pire bêtise? Je peux pas y penser en ce moment, j'arrive pas à y penser. Ça c'est Jean-Yves derrière. Là, je le sens, il y a Jean-Yves qui regarde, la pire bêtise, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pire bêtise, il n'y en a pas. Si, on a toujours une petite. Il y en a toujours une petite, ouais, mais là, je ne peux pas m'en souvenir. Là, tu n'en as pas. OK. Comment tu fais pour savoir que... Non, ça, c'est une question d'amour. On en reviendra juste à la fin. J'adore ton nouveau single. Ton single est super bien. Merci beaucoup. Quelle est ta chanson que tu as le plus aimé faire de ton histoire? Pas Still Waiting for You, mais de ton histoire. Depuis le début de ma carrière? Ouais. Que j'ai le plus aimé faire? Genre YOLO, tout ça. J'aime beaucoup YOLO, tout ça. Mais en show, franchement, en show, c'est State of Mind. State of Mind, elle est incroyable. Sur l'album, en show, on a vraiment fait un fou tableau. Celebration aussi, j'aime beaucoup. Ouais. En show, c'est des très beaux tableaux. Don't Stop, YOLO aussi. Ah, Don't Stop, ça envoie. Ouais, j'avoue, merci ça envoie. Beaucoup. Premier album, quand est-ce que tu sors un deuxième album? Ils sont en train de s'énerver, ils veulent encore de la nouveauté. On peut l'annoncer? Ouais, ok. Du coup, je peux dire que l'album, il s'en vient pour 2019. Ah, donc tu vas être en préparation de l'album? On est déjà en préparation de l'album. On est déjà en plein préparation de l'album. Il y a plein de chansons. D'ailleurs, ce qui est Still Waiting for You, si vous devez comprendre. Still Waiting for You? Toujours Je t'attends? Non, mais pas le titre. Ah, c'est juste le fait que tu en aies une. Il y en a une nouveau. Qui va sortir. Forcément, va faire partie du deuxième album, Still Waiting for You. Puis sinon, il y en a plein qu'on est en train de préparer en même temps d'être en show, d'être en répète et tout. Et dans les entrevues, on est aussi en enregistrement, en studio. On enregistre des chansons et puis ouais, il y a plein de trucs. On prépare un beau deuxième album. Ok, donc 2019, on est sur le qui-vive, ça va sortir quoi. Yes. Est-ce que tu étais bon à l'école, Noura Yasrani? Relativement, après je pense que ça dépend toujours pour tout le monde les matières. comme moi, les maths, ça n'a jamais été mon point fort, mais après tu vois, ou l'histoire non plus. Mais tu vois, genre le français, la musique, l'éducation physique aussi, tous ces trucs-là, j'avais des bonnes notes quand même. T'avais des bonnes notes, quoi, ça oui, allait, quoi. Oui, oui, ça allait. Tu feras une tournée de dédicaces? Du coup, à chaque fin de concert, justement, sur la tournée, on est en dédicace. Du coup, juste le temps de prendre une photo avec tout le monde. Ouais, voilà, il y a un petit photocord où on prend des photos avec les gens. Et toutes les infos sur la tournée, parce qu'il reste encore des dates et quelques places, pas beaucoup, les gars, vous allez sur son Insta. Il y a tout sur ton Insta? Il y a tout sur mon Insta. Vous allez pouvoir retrouver les dates sur mon site web aussi. Il y a les dates et sur mon Facebook. Lenny Kim officiel. Lenny Kim officiel. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Lenny Kim officiel. At Lenny Kim officiel, on y va, les gars, on s'abonne et on a. Est-ce que t'as un crush? Allez, on y va, c'est parti. If I have a crush. Ouais, et tu sais quoi, je vais te laisser avec les questions parce qu'on a des cadeaux à faire gagner. Allez. Hop, ils sont là. Tiens, toc, t'as la caméra en face, j'arrive. Est-ce que j'ai un crush? Tu m'as laissé comme ça avec cette question-là, là, en plein. Non, mais très sincèrement, en ce moment, je suis vraiment concentré sur la tournée. Du coup, j'ai pas vraiment le temps d'avoir une relation amoureuse ni de tomber en amour avec quelqu'un. Alors, je suis hyper focus sur la tournée. Mais non, j'ai pas de crush en ce moment. Alors, quelle boisson tu préfères? Le iced tea, mais ça, je crois que vous le savez déjà depuis très longtemps. Ouais, iced tea, c'est bien. Ouais. Attends, il y en avait... Le IST, j'aime beaucoup. Mon Dieu, ça va tellement vite. C'est fou, j'ai même pas le temps de voir les questions. Merci beaucoup, c'est gentil. Si on va revenir à Dijon, est-ce qu'on revient à Dijon? Oui, on revient à Dijon. Oui, on revient à Dijon. Vite, le 26 mai à Lille, j'ai beaucoup trop hâte. Franchement, à Lille aussi, c'était incroyable. Vous avez été ouf à Lille. Franchement, merci. Ça aussi, c'était un des plus beaux publics et c'est un des plus beaux shows qu'on a eu. Merci.
Alors, si on va refaire un YOLO Party comme il y a un an, je peux pas vous dire que ça va s'appeler la YOLO Party. Je sais pas si on va en refaire un, mais moi, je suis toujours down pour refaire un YOLO Party. C'était super cool. Après, je crois pas que ça va s'appeler la YOLO Party une deuxième fois. Ah, c'est fou, ça, j'ai même pas le temps de voir les questions. Alors, c'est ça qui est dur. Ça fait tac, tac, si, tac. Si, moi, j'en tac, ai eu quelques-uns. Défi. Il y en a un qui a posé un défi, qui t'a posé un défi. Hop. Allez, j'écoute. Défi, on y va. On est là dans les challenges, ça fait 10 minutes. Ouais, ça, c'est le cadeau. On a deux cadeaux à faire gagner. C'est des cadeaux sur des questions que tu vas poser, des questions précises. Ok. Et il faudra. Oui, la sriracha, là. Voilà, ça, c'est un des défis. Ah non. Chanter ta musique préférée avec un petit peu de harissa moutarde dans la bouche. Vous allez, le feu. C'est de la sriracha. Ouais, non, ça va, les gentils. Je l'ai coupé, je la mets moi dans mon couscous. Une de mes chansons préférées en ce moment que j'écoute beaucoup. Ouais. Je la mets dans mon couscous, les gars. Dans ton couscous. Moi, je suis fan de couscous. Alors. Alors, on y va, attention. En ce moment, ma chanson préférée. Il y a TikTok qui dit cap ou pas cap. Je vais vous le dire en ce moment, c'est quoi ma chanson préférée que je dois regarder. Ouais. Ah oui, ben en ce moment, vu qu'on est dans le temps des fêtes, All I Want for Christmas is You. Oh, mais attends, on va te mettre la musique, on va te mettre la musique à côté. Attends, on va te mettre la totale. Attends, ben là. T'es prêt? Attends, ok, vas-y. Est-ce que tu peux mettre Steve, All I Want for Christmas is You? All I Want for Christmas is You. Ooh, baby. Ooh, baby. Ok, attention, ça va être beau du haut niveau. Les fêtes arrivent. Attention, la harissa. Alors, c'est une harissa vraiment cool. T'inquiète pas. C'est celle que je mets dans mon couscous. Moi, je déteste quand c'est fort. Non, moi, j'aime bien quand c'est fort. About the presents underneath the Christmas tree. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ooh. Allez, un peu fort, c'est ça que je veux. Attention, c'est le meilleur moment, les gars. Ok, hey, franchement, bravo Lenny, hey, c'est fort ou pas? Merci beaucoup Lenny. Ouais, t'as vu, elle est bien mon harissa ou pas? C'est moi qui l'ai fait. Un peu de moutarde, un peu de piment, plic, plac, plouc, terminé. Mais bien fort, du ça vinaigre oui. De mamie et ça roule ma poule. Ok, défi réussi. Tu fais donc gagner une Sting Bombs à l'un de nos abonnés maintenant qui va répondre à cette chanson. C'est des boules puantes, c'est génial ce truc. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, franchement, c'est hyper rigolo. C'est notre partenaire en ce moment, mais c'est de la bombe. Okay. C'est une bombe, vous trouvez ça dans tous les magasins. Ça pue, c'est rigolo, ça fait des bruits qui pètent. Moi, j'adore. Moi, ça me fait rigoler. C'est Sting Bombs. Celui qui répond le plus vite à cette question, quand est-ce que reprend ces petits trucs comme ça, qui puent. Mais attends. T'entends? Oui, j'entends bien, oui. Tu sais, c'est comme les coussins péteurs. Non, ils sont rien. Celui-là, ils sont rien. Attends, en revanche, si je trouve celui-là, tu vas voir, ils sont... Attends, bouge pas. En attendant, celui qui répond le plus vite à cette question, la question est quand est-ce que quelle est la date précise de Lenny Kim, quand est-ce qu'il sera au casino de Paris, tout simplement. Le 16 décembre. Non, fallait pas le dire. C'est un de nos abonnés qui doit le dire. Ah, merde. Alors, on va refaire une autre question. Quelle est la date précise de l'Olympia? Quand est-ce que fera l'Olympia? Ça a été annoncé, normalement. Quelle est la date, le jour de l'Olympia? On y va, le 16 décembre. Ouais, non, 16 décembre, c'était la 7 d'avant. 16 décembre, bravo. Vous êtes des grands malades, vous. 5 décembre, ouais, elle était forte. Hein. 16, ok, 19 mai. 19 mai, c'est ça, c'est je peux rien dire. L'Olympia, on peut pas dire l'Olympia, je on peux peut rien pas dire. Dire, non. C'était ça ou pas?
Ok, c'est réussi. Alors toi-même, tu sais, toi-même qui as donné la date, alors t'es plus haut du coup, tu sais que tu as donné la date en premier. Tu fonces sur notre Instagram, Gulive-du-bas officiel, tu dis salut, c'est moi qui ai remporté. J'ai été la première à dire le 19 mai. Tu dis Carlito, dépêche, et on t'enverra donc une Sting Bond dédicacée par notre ami Lenny Kim. Franchement, ça pue. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a une petite odeur. Ouais. Ça sent pas la harissa, quoi. Ça sent très bon. Ok, on est dans le cap ou pas cap. Est-ce que t'es cap de... Est-ce que tu sais faire la roue ou le grand écart? Question de Nessouille. Ça veut dire non, ça. Ça veut dire non. Je sais pas faire la grande roue, moi. Je suis vraiment pourri. Pour de vrai, à chaque fois, j'essaie de la faire. Attends, t'as bouge pas, je vais faire un peu tour de queue, là. Non, je peux pas la faire, moi, la grande roue. Je suis nul, vraiment. Il est nul en roue. Ok, ouais. Team Grenoble, est-ce que tu connais Deauville? Oui, je connais Deauville. Est-ce que tu es capable de chanter avec du marshmallow dans la bouche? Il vient de faire avec de la harissa, je pense que là, on il est arrivé. On a des marshmallows, non? Ouais, on en a. On essaie. Ok, et eh ben. Allez, non, mais on peut continuer, on peut continuer. On continue, en attendant qu'on continue. Si Thelma peut aller nous chercher les marshmallows, ce serait canon. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, moi, c'est le 8 septembre. Ok, est-ce que tu es capable de faire 20 pompes, 10 pompes en 10 pompes? Allez, c'est attends, parti, tiens. On y va. C'était d'ailleurs, ça, c'est mes échauffements aussi que je fais juste avant de rentrer sur scène. Sérieux? Ouais. Attends, oui, comme ça. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bien 10. Joué, bravo. Ok, il est là le gars. Tu nous vois comment les Marseillais, toi? Très bien. Moi, j'adore votre accent, by the way. Moi, je l'adore, l'accent du Sud, c'est hyper chaleureux et tout. Moi, j'adore, je kiffe. C'est vrai? Ouais. Ah, les Marseillais. Mieux que Liège, parce que t'as dit que Liège, là, ils sont un peu jaloux. Liège, t'as dit que c'était sympa et tout, là. Et du coup, il y en a deux, trois qui disent, eh, Avignon aussi, machin et tout. Mais toutes les villes, elles sont sympas. Ah, merci. Il est chaud, Lenny Life. Nassouille, toi aussi, tu dois faire la roue, Joanne. Je sais pas faire, moi, je suis pas danseur. Les gars. Est-ce que tu connais Carole Sevilla? Je sais pas qui c'est, moi. Non, je suis désolé. Ça me dit rien comme ça. Voilà. Quel est ton TikTok? Mon TikTok. Musical.ly. Ah, le Musical.ly. Ouais, pourquoi ils ont changé de nom d'ailleurs? Ouais, pourquoi ils ont changé de nom? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils ont changé TikTok, de nom? TikTok, je crois que c'est Lenny Kim officiel aussi, mon TikTok. Ça et fait longtemps que je suis pas allé dessus. Par T'en fais ou t'en fais pas sur ta tournée? Des Musical.ly? Ouais. Il y a des fans des fois qui viennent me voir avec, mais après, moi, la plupart du temps, j'en fais pas, non. Ok, j'ai Banjabber qui te demande, est-ce que tu connais la Reine des Neiges? Est-ce que tu peux chanter la Reine des Neiges? Les gars, la Reine des Neiges. Merci, c'est fait. Lenny Kim officiel, Bayeux. Est-ce que tu vas venir à Bayeux? Est-ce qu'on va à Bayeux, je crois, hein? Est-ce qu'on va à Bayeux? Je sais plus, on a tellement de villes. Mais oui, je connais Bayeux. Oui. Et la réponse d'Elena Céleste par rapport à TikTok qui est devenu Musical.ly, enfin Musical.ly oui. Qui est devenu TikTok, c'est que Musical.ly s'est fait racheter par une société et du coup ils ont rebaptisé le truc. Ils ont rebaptisé le truc. Franchement, ouais. TikTok c'est naze. C'est naze. Hein. Bah, ils disent tout ça d'ailleurs. Ok. C'est une entreprise chinoise qui les a rachetés. Qui les a rachetés. On a compris plein de trucs, les gars. C'est chinois. Quel est le meilleur cadeau d'un fan que tu aies eu? Le meilleur cadeau d'un fan que j'ai eu plein. Des fois, je reçois des t-shirts et tout, mais diesel et ça, ça me... Tu vois, je suis en mode, mais dépensez pas votre argent comme ça pour moi et tout. Je vois des super de beaux t-shirts que je reçois des fois. D'ailleurs, je les porte, mais des belles lettres aussi que les gens me donnent qui sont super touchantes, qui viennent vraiment du cœur. Des beaux projets qu'ils font, des tableaux, des trucs artistiques à fond qui sont super beaux. Les beaux dessins aussi, il y en a qui me dessinent super bien. Des fois, je regarde ça, je suis en mode waouh. D'ailleurs, quand ils sont super beaux, j'y repose la plupart du temps et tout. Et si on a des cadeaux à t'envoyer, justement, des dessins, des trucs, où est-ce qu'on les envoie? Il y a une adresse où il faut aller sur scène et te les envoyer comme ça, comme les stars? Les cadeaux? Ouais. Bah, justement, il y a des dédicaces après chaque concert. Alors, vous pouvez venir me voir et me les donner si vous avez des cadeaux à me donner. Et puis, ouais, voilà. Mais c'est vraiment gentil de votre part. Et sinon, il n'y a pas une adresse où on peut te les envoyer? Jean-Yves, c'est quoi dans l'adresse où on peut les envoyer? Il n'y a pas une adresse où on peut envoyer. Parce que sinon, au pire, vous les envoyez chez nous et puis on lui donne ou on ne lui donne pas. Quoi. On fait notre choix. S'ils sont bien, nous, on les garde. Mais l'adresse, elle est au Canada, par exemple. Ah, Canada, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais vous allez voir Lenny Kim et puis voilà, quoi. Cap ou pas cap de faire 20 abdos, il a fait 10 pompes, les gars, c'était chaud. Est-ce que tu as TikTok? Oui, il l'a dit. Dédié à Sarah, s'il te plaît, ça c'est fait. Est-ce que tu connais Swan et Neo? Non, je suis désolé. Qui revient à la question derrière, qui est quels sont tes youtubeurs préférés si tu en as, ou influenceurs? J'ai pas de youtubeurs, j'ai tellement pas le temps d'être sur YouTube, de regarder des vidéos de youtubeurs et tout, vu qu'on est tout le temps en train de bosser, alors non, j'ai pas de youtubeurs préférés en tant que tel. Est-ce que tu vas faire tourner une tournée au Canada, parce que là, ils sont en train de demander aussi, il doit y avoir des Québécois. Les Québécois, justement, déjà, on a un concert le 16 avril, Jean-Yves, le 16 avril, c'est ça? Le 6
Le 6 avril, merci. Le 6 avril au Théâtre Corona à Montréal. J'ai très hâte aussi. Puis on va passer un peu plus tard à Gatineau et Québec et tout ça. Alors Jean-Yves, pour info, parce qu'il dit souvent Jean-Yves, Lenny, Jean-Yves, c'est son manager. C'est mon manager en fait. Jean-Yves, il est mortel, il est sympa. Il a un peu la barbe en ce moment parce qu'il a du mal à dormir dans le tourbus. Oui. Écoute. Il a des petits, voilà, ça c'est dit, donc respect à toi. C'est dur les tourbus parce qu'en fait, vous faites une tournée et vous dormez dans un bus. Oui, on dort dans un bus, oui. Ouais, ça va, okay. On dort dans un bus, dans le tourbus. Oui, non, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs au Nutella. Ouais, je te prendrais juste un petit truc comme ça, ça va enlever le piquant. Ils te connaissent, hein, parce qu'ils connaissent Jean-Yves. Il y en a certains qui disent Jean-Yves, et oui, on le connaît, Jean-Yves. Jean-Yves, he's the best. Vous l'avez déjà vu dans le GULive, hein. Il a déjà fait des trucs avec... C'est vrai, t'avais eu des pinces sur toi. Mais franchement, il a un peu la barbe, là, il est un peu routard, là, un petit peu sympa, quoi. Est-ce que tu vas revenir à Beauvais? Oui, sûrement. Et ta chanson du moment, il l'a chantée avec de la harissa dans la bouche. Mais à part celle-là, quelle est ta playlist en ce moment? La playlist que tu aimes, les deux, trois chansons que tu adores? Les trois chansons que j'aime, Jaja et Anakamura. J'aime bien Rêve bizarre de Orelsan. Ou encore Sicko Mode de Travis Scott. C'est quoi? Tu peux la passer ou pas, la dernière, Steve? C'est Commode, je sais pas. Ah, c'est Commode, c'est pas... C'est un peu... C'est rap. Ah, OK. Et sinon, Aya Kamura, tu connais... Aya Nakamura, oui. Tu connais les paroles? Oui. Vas-y, fais par cœur. OK, par cœur. Déjà. Je t'envoie la musique. Vas-y. Je la coupe à des moments donnés. Tu peux continuer et reprendre derrière. OK, défi. Deuxième défi pour notre ami Lenny Kim, qui va donc faire un... Connaît-il bien la chanson? C'est un karaoké, tout simplement. T'inquiète, je la connais bien. OK, on va baisser la musique à des moments donnés, voir s'il est dans le rythme. OK, attention. Elle est belle, en plus, moi, je trouve. Hein. Ouais. Franchement, je la trouve franchement, belle. Ouais. Ah non, mais sur les paroles, pas mal. Hello, baby, mais qu'est-ce que ça? J'entends des baillatres sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est chippé? Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as aidé dans ton lit. Oh, Dja Dja, y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja, ouais. En Katiana, baby, tu dead ça. Ouais, tu l'as. Oh, Dja Dja. Pour l'instant, y'a pas une fausse, hein. Y'a pas moyen, Dja Dja. Ok. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en Katiana, okay. Baby, tu dead ça. Ok, deuxième couplet, là, il peut. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, crache encore, Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu joues un rôle, tu finiras aux enfers. De façon Nakamura, je l'ai couché. Tu l'as. Tu jouais les grands frères pour me salir. Tu fais des problèmes sans faire exprès. Pardon, putain, mais tu déconnes. Pardon. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ok. Oh, Dja Dja. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. Ou non. Ok, bravo. Ok, ça c'est fait. Deuxième Sting Bong gagné. Bien joué. Merci. Tu la chantes. Mais tu la chantes quand? En loge, des fois, avec tout le monde. Dans le tourbus, on s'éclate avec. Ouais. Y'a combien de danseurs, tu m'as dit? On a 6 danseurs avec nous sur la tournée. L'ambiance, elle est comment? L'ambiance, elle est chiant, mais franchement, ils sont tous super. On s'entend bien, c'est cool, c'est une belle équipe. Mais c'est avec toi cool. Aussi, à un moment donné, c'est l'ambiance, gentil. Elle est bonne, quoi. Merci beaucoup. Allez, deuxième Sting Bombs a gagné maintenant. Il a réussi son défi maintenant. Deuxième question à vous de jouer, les copains. C'est vous qui devez trouver en premier pour gagner la deuxième Sting Bombs qui sent mauvais, qui fait des bruits, qui pète. C'est très simple. La deuxième question, la voilà. Il nous l'a annoncé. En quelle année va sortir son deuxième album? Allez, c'est parti, les amis. 2019. Non, faut pas le dire. Ah, non, mais c'est pas possible. Non, mais il nous l'a fait deux fois. Je vais crever de rire. Bon, alors, attention. OK, autre question. Attends. Bonne journée, merci. Merci, c'était un plaisir. Bah, 2019, dans tous les sens, ça s'est tenté. Hein. Ah, désolé. Mais ils veulent hein. Le mois, en fait, ils veulent le mois. À part, si, on a une qui s'est trompée, c'est Ena Lonson, là. Et elle dit 2018, non, c'est 2019, là. Oh. OK, autre question. Vous l'avez vu tout à l'heure. Normalement, si vous étiez branché, si vous n'étiez pas branché, dommage, obsolète, bang, bang, zap sur notre chaîne. L'idée est simple. Il a chanté une chanson avec quoi dans la bouche? Il a chanté une chanson de Noël avec quoi dans la bouche? C'est parti. Top! Deuxième question, le plus rapide. Non, tu réponds pas, Lenny, cette fois-ci.
Ils sont morts de rire que t'es trop drôle, Lenny. Non, mais ils sont good game, bien joué. Harissa, c'est Gogan Lopez. Gogan Lopez qui remporte la deuxième Sting Bomb. Si tu vas sur notre Instagram, du live tiré du bas. Officiel, et tu dis Carlito, j'ai gagné la deuxième Sting, tu balances le cadeau, il va la dédicacer ici, là, yes. Et on te l'envoie comme une grenade. Ça fait 25 minutes, donc on va aller super vite. Harissa Moutarde, Harissa, ok, c'est fait. Alors, les amours, c'est parti, là, on a un gros thème, là, il y a un gros thème. C'est quoi le gros thème ? Ah, bah, le gros thème, c'est l'amour. L'amour. Le thème qui restera l'amour. Toujours la plus grande question autour de Lenny Kim, cette question que tout le monde veut savoir. Alors, il y a un mois, tu étais là, il y a un mois et demi, tu étais avec nous, tu nous as dit, bah non, je suis célibataire. Tu nous as dit que t'aimais bien aussi bien les brunes que les blondes. Oui. L'important, c'était l'âme. L'important, c'était l'être. L'important, exact. C'était... Non, mais pour de vrai, sérieusement, moi, genre, le physique, très sincèrement, moi, la plupart des filles avec qui je suis tombé en amour, c'est souvent vraiment juste des coups de foudre comme ça. Je suis jamais tombé en amour en m'assoyant avec la personne, en commençant à parler, ouais, hyper intellectuel. Moi, c'est vraiment ça vient ou ça vient pas, tu vois. Après, j'ai 17 ans, je dis ça comme ça, plus tard, peut-être que ça va changer. Ouais, pour aujourd'hui, moi. Hein. Mais aujourd'hui, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment les coups de foudre, surtout, genre, sur le moment, je fais comme oh waouh, comme et là, genre, j'ai de la difficulté à respirer et tout. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, pour moi, que tu sois brune, blonde, rousse, whatever, moi, c'est souvent la personnalité en tant que telle que j'aime le plus. J'ai Black Wolf qui dit c'est du sérieux l'amour avec Nier. Eh ouais, c'est du sérieux. Fois, il a toujours répondu franchement. I'm a lover boy. Eh, c'est un lover boy, quoi. C'est un love, il l'a dit, les gars. I'm a lover boy. Mais je vais t'offrir une Sting Bomb tellement c'est beau, mais ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de coups de foot tu as eu, Thomas Hoang. Ils veulent des chiffres. Combien de coups de foudre j'ai Ils eu veulent. Des vrais comme... Des vrais coups de foudre. Pas l'amourette, hein, pas le coup de foudre. Le vrai coup de foudre, genre où tu penses à la elle personne. Pendant comme je sais pas combien de temps. Ouais. Deux gros trucs, là. Deux dossiers. C'est allé au bout ou pas, au final? C'est jamais allé au bout, hein. Mais non. Oh, mais l'over. Parce que c'est pas le temps. Ouais. C'est pas le moment où j'ai pas le temps, whatever. Ouais, oh là là. Ouais, je serais vraiment malheureux, sinon, sérieusement, j'aurais aucun temps à lui accorder. Ouais, donc ça, c'est... Donc aujourd'hui, on peut le dire, Lenny Kim est célibataire. Oui, voilà, mais ça, je suis quand même célib. Voilà, il est célibataire, il monte sur scène, je pense que toutes les filles... Et que ça fait quoi d'avoir un parterre de filles, mais complètement love? Parce qu'ils sont love, on va pas se mentir. Après, sur le moment présent, moi, je suis focus et tout, je suis dans le show, je fais tu le show. Les vois pas? Bah oui, je les vois, mais l'éclairage, t'aveugle tellement aussi. C'est vrai. Pour de vrai, sur le stage, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous nous voyez super bien. Mais pour que vous nous voyez bien, c'est que vous êtes dans le noir et nous, on est éclairés à donf. Alors, on ne vous voit pas beaucoup. On sent votre énergie, mais on ne vous voit pas beaucoup. Alors, comment faire pour se faire remarquer? Moi, je suis une fille, je suis folle de toi. Je me dis, je veux qu'il me voie. Je fais quoi? Je prends mon portable, je mets une torche sur moi. Je mets une grosse torche, je viens avec des... Ça, par exemple, ça me fait rire parce que je vous vois, par exemple, quand vous filmez le show. Ouais. Parce que... Vous êtes là, vous filmez, mais vous avez toute la lumière et tout que je vois rebondir sur vos visages et vous filmez, mais profitez du moment présent, il faut, parce qu'après, on sera pas là en show après, tu vois, après une heure après, ça va être terminé. Alors, il faut profiter du moment présent, filmez pas, restez là dans le moment présent. C'est vrai, ok, donc arrêtez les téléphones portables. Mais vous pouvez, hein, mais après, ouais. C'est juste, c'est pour vous, c'est plus cool de pouvoir le voir en live quand on est là, tu mais vois. Mais moi, les filles, à votre place, je fais un truc simple, le téléphone portable, je le retourne, je le mets en torche. Et comme ça, il me voit. Je filme pas parce qu'il me voit pas. Là, il me voit. Bon, pas les trous. Non, mais je vous vois quand même dans pas la salle. Comme ça, sur le côté. Non, mais je les vois quand même. Je les vois quand même. Je les vois parce que sinon, comment je pourrais chanter aux gens? Mais moins bien que si je les verrais normalement. C'est vrai. Est-ce que tu serais capable de sortir avec une fan? Il a déjà répondu à cette question. Sa réponse, moi, je la connais. Et il va la redire quand même, mais je la connais. Alors oui, très voilà. Sincèrement, je pourrais sortir avec une fan. Comme je dis tout le temps, moi, je crois énormément en coup de foudre. Et puis, si ça doit arriver, ça arrivera. That's all. Et du coup, si ça la doit être torche, avec une fan, tu seras avec une fan. La torche dans la tronche pendant le concert. Croyez-moi. Non, mais tu dis ça, mais maintenant, ils vont tous avoir une torche dans la mais tronche. Mais je suis sûr. Hey, vous prenez pas la tête. Au moins, il saura que vous avez regardé le gulag. Vous prenez la torche, vous la mettez. Mais pas par le bas, parce que ça fait un peu vampire. C'est pas bon. Plutôt par le haut. Rouge à lèvres, make-up, tic-tic, tuto, hashtag YouTubeuse. OK. Bon, alors, attention. Est-ce que tu peux venir à Poitiers? Je ne sais pas. Si je peux venir à Poitiers, pourquoi pas? Bah oui, yes. Et comment est-ce qu'on fait? Alors là, c'est une question à Jean-Yves, après je vais arrêter. Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, tu fais la tournée, mais il y a plein de villes que tu n'as pas faites. Non. Comment est-ce qu'on fait pour te faire venir dans la ville? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, monter un collectif de fans, envoyer un mail en disant, putain, purée, pardon, on est 50? J'ai aucune idée, ouais, bah oui, oui. C'est une bonne idée ça, ou pas? Ça fonctionne. Ok,
Hey, passez le message. Hey, je sais qu'il y a plein de trucs. Vous êtes à Poitiers. Enfin, Poitiers, il n'est pas passé, mais dans une ville où il n'est pas passé. Vous faites un collectif de fans. Vous envoyez des lettres dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez. Et normalement, je vous jure, si vous êtes 500 par ville, il vient. Come on ! Hey, Clermont-Ferrand, tu l'as fait ou pas ? Clermont-Ferrand, on l'a fait ou on va le faire ? On va le faire. Parce que Clermont-Ferrand, c'est chez moi, ça. On va le faire. On va aller à Clermont-Ferrand. Okay. J'ai beaucoup trop hâte. Donc, vous trouvez le bon endroit et vous appelez ça. OK, Team Jalé, Team Jelena, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous aujourd'hui. Encore une fois, toujours Lenny Kim. Avec plaisir, merci à toi. Dernière question sur les amours, parce que ça tourne beaucoup. J'écoute. C'est pas ma question à moi. Je suis là pour répondre. Est-ce que tu es amoureux de loup ? Est-ce que je suis amoureux de loup ? Pour tous ceux qui espèrent, je suis désolé, non. Il n'y aura rien entre loup et moi. c'est une très bonne amie. On s'entend super bien à chaque fois qu'on se voit, mais non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre Lou et moi. Voilà, ils ont fait un super titre en revanche qui s'appelle Miraculous. On était très bons amis, mais on n'est pas amoureux. Ok, tu pourrais venir chez un fan pour son anniversaire. Ça, c'est plus compliqué. Au moins, il faudrait que vous soyez au moins 2000 dans la salle. Je rigole. Merci beaucoup, Lenny, d'être venu avec nous. Merci à toi. Je sais que tu as une grosse journée aujourd'hui avec Saint-Chien. Écoute, moi, ça me fait plaisir d'être là, tout le temps. C'est ta maison. Merci. Et tu notes qu'à chaque fois que tu viens, on change le décor. À chaque fois que je viens, le décor, il change toujours. Là, la voiture, elle est ajoutée. Là, maintenant, là, il y a le. Là, il y a les en fait, on veut pas que tu t'ennuies. De Noël. À chaque fois, c'est gentil. Ça fait de la différence. Et franchement, les copains, si vous voulez voir Lenny habillé de façon hyper rigolote, mais vraiment hyper rigolote, si vous voulez faire des screens dans tous les sens et vous amuser avec ça, vous branchez sur Gulli le 24 décembre, donc pour le réveillon de Noël. Il sera à peu près 16 ou 17 heures, je pense, à cette heure-là. Et franchement, vous allez voir Lenny habillé, mais... Je ne peux pas vous dire en quoi. Je ne peux pas vous dire non plus. Mais commencez à imaginer en quoi vous aimeriez le voir habillé. Et franchement, c'est assez rigolo. Merci, Lenny. Merci à toi. Ah, attends, vas-y, fais-le péter. Attends, allez, vas-y. Attends, il est où le mien ? Il est là. T'es prêt ? On va vous dire au revoir en proutant. 3, 2, 3, 2, 1. Merci beaucoup. On est très mature ici. On vous aime vraiment fort et on vous dit à très bientôt. Non, mais attends, et objectivement, les proutes, ils ont le droit d'avoir de la parole aussi. Hein. Aussi. On vous aime fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, franchement, Johan. Allez, ciao, les gars. Salut.